Chers amis, Shabbat Shalom. On est aujourd'hui le vendredi pour le 1000e cours de la journée, vendredi 10 du mois de février et le Yutet du mois de Shvat Chaim Tovim Shalom. Nous sommes avec Rabbi Yaakov Abouhatzera Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Shiur, acheté ce matin par, pour le Mazal de Ava Batrivka, avec un bon zivouk, très vite cette année, Bezrat Hashem Racha Batzlacha, Yiratzon, que par le mérite de Rabbi Yaakov Abouhatzera. C'est ce qu'on a, les zivouk Agoun, et justement le Shiur du zivouk Agoun est relié à ce qu'on va étudier maintenant, Bezrat Hashem, avec votre permission. Omer, à propos de la paracha de la semaine, paracha du Yitrou, le quatrième des commandements. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Et c'est vrai que ce commandement, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, ou afin de le sanctifier. Approche-toi ici, Abraham. Demande vraiment réflexion. Rabbi Yaakov Abouhatzera, il dit dans son livre Marsof à Lavan, Mativo Shel Tzivuy. Quelle est bizarre cette mitzvah. Zachor et Yom HaShabbat. Pourquoi est-ce qu'un juif il peut oublier que c'est Shabbat? Est-ce qu'on peut oublier que c'est Shabbat? Est-ce qu'un juif il a besoin qu'on lui dise n'oublie pas le Shabbat? À notre époque, les choses sont très différentes, mais rien qu'à l'époque du Chafetz Chaim, sachez que, une fois on raconte qu'on a annoncé au Chafetz Chaim que dans la ville de Radin, en Syrie, en Russie, il y a un juif qui avait ouvert sa boutique le Shabbat. Oh, une boutique ouverte le Shabbat. Le Chafetz Chaim est venu le voir et il s'est mis tellement à pleurer. Tu ouvres le Shabbat. Il s'est mis à pleurer. Tu ouvres le Shabbat. Il dit, je vous jure, j'ouvrirai plus jamais le Shabbat. Ne pleurez pas comme ça. Je suis désolé. Je n'avais pas. De nos jours, les choses ont changé. Il y a beaucoup de chemins Shabbat. J'oubliais le nom de ce grand chassid qui, quand il a mis les premières fois, il est venu d'Israël, il est venu à Paris pour une période de 10 ans pour s'occuper de la kashroute, de la shrita, de plusieurs choses. Et quand il arrivait et qu'il a vu dans le quartier juif des voitures de juifs qui roulaient le Shabbat, au début il a dit, bon, c'est une femme enceinte, il doit être malade. Et il s'est rendu compte, il voyait des parasols, il s'est mis sur un banc et il s'est mis à pleurer. Son élève qui était avec lui, il lui a dit, Vodarav, la main t'a bouché. Il lui dit, Yehudi, Mechalelim Shabbat, des juifs qui sont Mechalel Shabbat. Et il pleure. Comme un fou. L'élève, lui, il avait sa famille en Israël, il retourne en Israël. Un an plus tard, il retourne voir son Rav. Et le même Shabbat, il voit son Rav s'asseoir sur le même banc et il se met à pleurer. Il dit, Vodarav, encore vous pleurez? Il dit, non. Je pleure parce que j'ai arrêté de pleurer. Je me suis tellement habitué à voir des juifs, les halal Shabbat, d'ouvrir les boutiques pendant Shabbat, aller au cinéma pendant Shabbat, de prendre la voiture de fumer, que je me suis habitué et je pleure parce que je me suis habitué à ça. Comme ça, il a répondu. Mais vous savez que Shabbat, c'est la carte d'identité du juif. Regardez, étudiez le Zohar Kadosh, je ne rappelle pas, j'ai dit trop. Nora Vayom, je voulais faire cette étude avec vous, on la fera dimanche, Blin Eder, un autre jour. Sur le Zohar HaKadosh Parashat Yitro, sur la valeur du Shabbat Kodesh. Mais là, voyons ce que dit Rabbi Yaakov Abouhatzera Be'ezrat Hashem pour un bon zivouk pour cette kala, si Dieu veut. Et toutes les kalas d'Israël. Ma tivo et tivo yizachor et yom HaShabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est la kala du peuple d'Israël. Et comme l'avait dit le Rav Kanetsky Zatzal, celui qui veut un bon zivouk, qui se renforce dans les lois du Shabbat, Bezrat Hashem, puisqu'il dit boikala, quand tu dis boikala, tu avances aussi ton mazal. Donc plus tu te renforces dans la joie d'être Shomer Shabbat, dans l'accomplissement des mitzvot de Shabbat, et plus à Motse Shabbat on en sait où d'arriver vite, surtout si tu racontes une histoire du Baal Shem Tov comme on a l'habitude de le faire, ce que tu demandes te sera accordé. Viri Evchar Lishkoach et ta Shabbat, qui pose la question, il dit, Oufren, est-ce qu'on a besoin de nous dire, souviens-toi, du Shabbat, pour se rappeler du Shabbat? Valo Zehu Echad me met à Shavua, n'est-ce pas un des jours principaux de la semaine? Mazé. Ovevadaï Evchar Lishkoach Ato, l'état de Mimeno. Surtout le jour du Shabbat qui représente la carte d'identité du peuple d'Israël. Explique Rabbi Yaakov Abouhatzera, il dit comme ça. Ikar Kdushat HaShabbat, car la Kdusha principale du Shabbat, ben, Sagato Rouchanit, est d'obtenir la sainteté du Shabbat, de ressentir ce que le Shabbat. Yachola Sigba Talui Bachanot. Si tu veux ressentir réellement c'est quoi le Shabbat,
C'est à partir de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, que si tu attends le Shabbat qui arrive, que tu ressentiras enfin c'est quoi Shabbat. Parce que nous, tel qu'on le vit, quelle heure ça rentre Shabbat? Quelle heure Mincha? À quel moment on se prépare le Shabbat? Juste avant l'entrée de Shabbat. Tu ne ressentiras jamais, dit Yaakov, Rabbi Yaakov, jamais tu ressentiras c'est quoi Shabbat. Mais si de dimanche, tu attends le Shabbat chaque jour comme un chidour, où tu es fou amoureux parce que tu as rencontré la plus belle des âmes et la plus belle des femmes, la plus gentille des femmes. Mais chaque jour qui passe, tu n'en peux plus. Zahor et Yom HaShabbat. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, si tu attends le Shabbat, et regardez comme il le dit ici, celui qui prépare, Yochal be Shabbat. C'est quoi cette allusion de celui qui prépare avant Shabbat, il mange pendant Shabbat? C'est évident. Il dit non. Celui qui se prépare à recevoir le Shabbat depuis dimanche, en disant quand est-ce qu'arrive le prochain Shabbat, il t'abarre chez Bola, bien sûr. Chers amis, c'est pas chaque Shabbat, c'est des disputes, c'est des insultes, c'est des piques, c'est des. Non. Ça, c'est pas Shabbat, c'est Gehinam. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est le Shabbat Shalom. Que ce soit agréable. Malheur à celui qui mettra le balagan au Shabbat. Chers amis, j'ai lu des choses sur ça que j'oserais pas vous dire. Je vais vous pourrir la vie si je vous dis. Celui qui pique pendant Shabbat, celui qui met une mauvaise ambiance pendant Shabbat, il aurait mieux fait de ne jamais naître. C'est terrible ce qui a marqué. Non seulement il fait fuir la shrina, il recule la geoula. Ses souffrances sont incommensurables. Hein? Exactement, tu as tout compris. S'il donne de la joie à Shabbat, on a vu avec Rabbi Israël Nadjara que les anges y dansaient autour de la table du Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent, ne vous laissez pas avoir par vos femmes qu'elles préparent tout le Shabbat. Prenez des mitzvot, mettez-vous la table, mettez-la à faire la cuisine, aidez vos femmes. Pas parce que moi je suis un homme, on fait moitié-moitié, tu cuisines, je mange. Mais non! C'est parce que chaque préparation, quel salaire la femme va prendre pour préparer Shabbat, vous ne vous rendez même pas compte quand elle fait le pain avec les enfants qui l'appellent, et elle prépare le couscous boulette, chaque chose qu'elle fait dans les mains, ce n'est pas des boulettes, c'est des lingots d'or qu'elle tient dans les mains. Surtout si c'est des boulettes tunisiennes, pas des froliques. Pas des petites boulettes de viande. Hanan a dit, mamashlo. Chaque chose qu'on fait dans la cuisine, vous y comprenez bien que si la table, c'est un digne de misbeach d'hôtel, alors imaginez la cuisine, c'est le Kodesh à Kodashim. La chambre, c'est le Kodesh à Kodashim à Emet. Avant pour vous dire que là-bas, dans la cuisine, le monde a été créé pour la cuisine, vous êtes au courant de ça. Le peuple serait venu pour manger, vous êtes au courant, on a fait plein de cours sur ça. Pourquoi on répare le Hetzadat? C'est pour ça que tout est. Il n'y a pas de fête sans manger chez nous. C'est-à-dire, un juif au régime, c'est pas religieux, c'est pas possible. Kavanatam bezel le ami. Shirak Mishéchin Nafsho Karaoui, Mishéchet Emachol, les Shtokek, d'attendre le Shabbat avec impatience. Donc, quelle est la plus grande mitzvah pour chacun de nous à faire le Shabbat? Donner aux autres l'envie de vivre le Shabbat, d'être hyper agréable. Tu fumes, fume pas ton prochain. Fais-toi des patchs, prends des chewing-gums, arrête ta lourdeur. Arrête d'être blit, toujours à chercher des problèmes. Parle pas de Chol, parle pas de travail, c'est assourd. Mais à Chol, où est-ce qu'elle a gish kdushat Shabbat que fils Dieu lui donnera celui qui attend le Shabbat depuis Yom Rishon, dimanche, lundi, mardi, lui donnera le salaire de ressentir enfin c'est quoi Shabbat. Et là, je vous promets une chose, il attendra le Shabbat encore beaucoup plus rapidement. Au point que tout l'argent du monde, tu as une personne, regarde, ouf Shabbat, je te donne 1 million d'euros maintenant. S'il avait goûté une seule fois la valeur du Shabbat, il ressent ce que c'est vraiment Shabbat. Pour des milliards et des milliards, jamais il enfreindra le Shabbat. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, mon rav, il s'évanouissait quand sortait Shabbat. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et dans ça, j'étais blanc comme ça. Je dis, mais pourquoi vous êtes dans cet état? Il m'a dit, mais Shabbat est sorti. Je dis, ah bon? Je suis heureux, moi, punaise, à l'époque. Je suis mené les Marlboro Light, je suis au régime. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, mon rav, et c'est pour ça que tous les matins, nous avons une mitzvah tassée de la Torah. Aujourd'hui, on dit, ayom yom shishi, Ben Shabbat Kodesh, Yom Rishon, Yom Echad, on n'est pas Yom Rishon, on dit Yom Echad dans la prière, Ben Shabbat Kodesh. Hein? Dans le Patach Lehu, ils ont marqué une grosse erreur. On ne dit pas Yom Rishon, on dit Yom Echad, comme c'est marqué dans la Torah. La Chen Rav Odeh dit on ne dit pas Yom Rishon. Tov lo meshane. Yom Echad, Ben Shabbat. Yom Shini, Ben Shabbat. C'est Mizat Ase Doraita. Mitkarevet, Bota, Kavon, Elea, Karaoui. Veze Asiba, Shekol, Sheshet, Yemeh Amaase, Nikraim, Beshem, Yemeh Amaase. Comment on appelle la semaine? Les jours de l'action. Pourquoi on appelle ça Yemé Maase? Alors au niveau du pshat, comme on va l'enseigner,
tu as 6 jours pour faire le travail et un jour pour te reposer. Ça, c'est pour les enfants de Kita Gimel. Mais il dit pas du tout comme ça. Rabbi Yaakov Abou Hatzera, il dit pas du tout. Yemehamaase, les 6 jours ont été créés pour te préparer au Shabbat. Tu peux pas rentrer dans le Shabbat comme ça. Shabbat te demande 6 jours de préparation avant d'y aller. C'est pour ça qu'il y a 6 jours avant. Yemehamaase. Que pendant les 6 jours, tu fasses tout ce qu'il faut pour que Shabbat, tu sois tranquille. Prépare ton Shabbat, pas la veille de Shabbat, depuis les 6 jours avant. Matan Bagmara chez Shamay Azaken. Shamay, lui-même. Hayamatril Gvarmiyom Rishon. Il faisait ses courses depuis dimanche. Et en disant Zelerbot Shabbat Kodesh, comme qui Yosef Mokir Shabbat, Masret Shabbat, Bedaf Koufioutet. Tout ce qu'il achetait la semaine, c'est Zelerbot Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'il faisait? Par exemple, il voulait profiter de quelque chose. Il achetait une veste, par exemple. OK? Il disait d'abord jamais Shabbat. Après qu'elle ait eu une Shabbat, jamais très pour la semaine. Mais tout était en l'honneur de Shabbat. Tellement ils attendaient Shabbat. Tout ce qu'ils achetaient. Alors le mec, il achète une voiture, il dit d'abord j'essaie Shabbat. Non, c'est pas valable. C'est-à-dire, bien sûr, on ne prend pas d'abruti. Avant, ouais. Il a fait méode. Heureux celui qui te rend compte, le mec, il achète une super belle voiture. Il dit non, c'est en l'honneur de Shabbat que j'apprendrai. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le vendredi, pendant toute la semaine, il a pris le métro, il a pris le bus. Maintenant, d'abord, l'akdoucha du Shabbat. Il s'agit d'une chose. La raison pour laquelle on fait la brit mila 8 jours, hormis toutes les explications, c'est qu'il faut que l'akdoucha du Shabbat passe sur l'enfant avant de faire la brit mila. Parce que le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions pour trouver un zivouk, pour la parnassa. Hakol. On va étudier ça dimanche à propos du Zohar HaKadosh, incroyable ce qu'il livre sur les secrets du Shabbat. Vezek Kavanat Toratonu HaKadosha Vatom Rabbeinu. Zachor et Yom HaShabbat LeKadesho. Souviens-toi du Shabbat si tu veux les Kadesh Oto. Si tu veux être Kadosh pendant Shabbat, alors souviens-toi pendant les jours qui précèdent Shabbat. Dayenu. Shizkor Adam Shalab Litkonen Karaouy. Dilemma d'avoir nommé. Quand tu veux faire un grand saut, tu sais, dans le sport, il y a le saut, tu sautes. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu recules, tu prends de l'élan. L'élan pour faire le grand saut dans le Shabbat, c'est les 6 pas qui représentent les 6 jours de la semaine. Prépare-toi pendant ces jours-là. C'est-à-dire quoi? Si tu as besoin de parler de travail, tu as 6 jours pour en parler. Tu veux parler de sport? Ça te prend la tête, le sport, le football. Je fais pas de football, je meurs. Eh bien, vas-y, 6 jours. Dis tout ce que tu as à dire pour que le jour du Shabbat, ça y est, tu as déjà parlé, tu vas parvenir. Car le Shabbat est la plus belle chose qu'on ait reçue dans la Torah. Havan achin et nafsho, l'ikrat Shabbat ou malacha, bezrat Hashem eske glusha merouba alié des dan. Et bezrat Hashem conviendra la Géoula. Vous verrez que tous les Juifs d'Irabi Akobo Hatzera prieront et pleureront. Dès que Shabbat sortira, on pleura. Pourquoi t'es triste? Shabbat vient de sortir. Quand est-ce qu'on aura encore Shabbat? C'est pour ça que le plus beau cadeau de. On a une période très longue de 21 jours, achon, de tristesse. Du Yud Zayin de Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. C'est des jours tristes, des jours de deuil. Quand viendra la Géoula? Le Yud Zayin Betamuz deviendra Yom Tov. Chol HaMoed jusqu'à Tchabéav, Tchabéav Yom Tov. Pourquoi? Ça se redeviendra des jours de joie. Et pourquoi tout ça comme cadeau? Il dit tout simplement parce que si les Juifs étaient constants que tout ce que Dieu de mettre tefilin, d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, c'est un tel cadeau, le problème c'est que tu ne les vis pas. Et tu sais pourquoi tu ne les vis pas? Parce que tu ne te prépares pas. Tu ne te prépares pas spirituellement, tu ne te prépares pas. Va au Mikvé, fréquente des Tamid et Chachamim, va apprendre la Torah. Qu'est-ce que tu crois? Que tous ces gens que tu as vu changer, devenir religieux, ils sont tous fous? En attendant, c'est quand vous devenez fou, que vous n'avez plus de réponse, que vous allez chez ces mêmes gens, comme le Rabbi Lubavitch. Qu'est-ce qu'il était, le Rabbi Lubavitch? Toute la semaine, il se préparait à Shabbat. Le Rav Ovadia, toute la semaine, il se préparait à eux. Le Rav André Eliaou, le Rav Kook, tous les Gdolim, toute la semaine, ils attendaient Shabbat. Et quand venait Shabbat, Baruch Hashem, Shabbat arrive. Un jour, il y a quelqu'un qui arrivait chez Baba Salé, il s'est mis à pleurer le vendredi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tais-toi, viens, on va au Mikvé, viens, on se prépare au Shabbat, tu fais Shabbat avec moi. Il va au Mikvé, fait Shabbat avec lui, monte Shabbat, il lui dit, alors c'est quoi tes problèmes? Il lui a dit, je vous jure, j'en ai plus. Je sais pas ce que vous avez fait, j'en ai plus. Il est passé de Shabbat à côté d'un tzaddik comme lui, tu oublies tous tes soucis. Il a pas pu dire un mot de chol. Il lui a dit, pourquoi t'as pas parlé de chol? T'es pas religieux. Il lui a dit, parce que j'avais plus de problème. J'avais plus de problème, j'étais simplement bien. Tu veux être bien? Alors je vous en prie, mesdames et messieurs, qui que vous soyez pendant Shabbat, si le Shabbat est bien, ne soyez pas le cancer du Shabbat. Ne soyez pas les pics du Shabbat. Soyez cool, soyez agréable et soyez gentil. Parce que le Shabbat exige Bezrat Hashem son respect. Baruch Adonai Leolam. Zachor Et Yom HaShabbat Kadeshu.